Bonjour, bienvenue à bord de Nimbus, le Nimbus 365 que nous avons sur notre gauche et le Nimbus 305 coupé que nous avons sur notre droite. Donc nous sommes ici à Golfe-Juan avec Nimbus France, Stéphane Delfino. Donc je suis très heureux de vous accueillir à bord de ces deux bateaux. Donc nous avons la chance d'avoir les deux bateaux l'un à côté de l'autre, ce qui va nous permettre de les comparer au niveau de l'extérieur et ensuite au niveau de l'intérieur. Donc nous allons procéder d'abord par la visite du Nimbus 305 coupé, donc en fait qui est le petit frère du 365. Donc bienvenue à bord. Donc nous avons un cockpit sur la partie arrière avec une banquette en L, une table de cockpit qui se déploie. Ensuite nous avons le tech dans le cockpit, dans la passe avant également qui est une option, donc avec la passe avant intégrée comme sur chacun de nos modèles, avec la porte latérale également qui est intégrée à la superstructure, donc qui facilite son accès même lorsqu'elle est ouverte. Et ici on peut entrevoir le tableau de bord avec les commandes qui sont légèrement déportées vers l'extérieur de telle façon à pouvoir manœuvrer le bateau depuis l'extérieur. On va accéder au pont avant. Donc ce dernier dispose de grands bains de soleil sur la partie avant avec un accès sur la partie avant, donc qui permet de débarquer le bateau depuis l'avant avec une échelle qui est intégrée. Nous avons une ancre en inox avec 50 mètres de chaîne. Voilà, au niveau du pont avant, vous avez ces grands bains de soleil pour deux personnes, ce qui sont fort appréciables. Et ensuite, vous avez donc au niveau de la timonerie les deux toits ouvrants, comme ceci. Voilà, un de chaque côté. Par rapport à son grand frère donc, que nous avons à côté, le volume sur la partie avant est un peu plus spacieux, bien entendu. On retrouve le même espace au niveau de la porte latérale. Et sur la partie du roof, nous avons deux grands toits ouvrants qui sont électriques, proposés en option. Je rappelle que le Nimbus a l'avantage d'avoir un pare-brise qui est d'un seul tenant, donc galbé, avec aucun montant au milieu, ce qui lui confère une excellente visibilité. Et les essuie-glaces sont cachés sous la casquette. Voilà, nous allons revenir sur la partie arrière. Nous pouvons entrevoir Michel qui fait partie de Nimbus France et qui est en paddle. C'est que je me suis noyé. Voilà. Ensuite, donc la partie du cockpit ici sur la partie arrière. Et à présent, nous allons monter sur le 365 afin de pouvoir le comparer en termes de volume et d'habitabilité. Donc on va constater tout d'abord que la plage arrière est plus spacieuse avec deux coffres intégrés. Ensuite, le cockpit a la même disposition mais il est également plus spacieux comme vous pouvez le voir. La passe avant est également plus large avec la porte latérale qui est également de plus grande hauteur. Le tableau de bord est également un peu différent mais avec toujours le même concept, c'est-à-dire les commandes légèrement déportées sur l'extérieur de telle façon à pouvoir manœuvrer son bateau depuis la passe avant. Nous entrevoyons Michel qui s'en va en paddle. Voilà, donc au niveau du pont avant, même principe, simplement un peu plus d'espace. Donc avec la même capacité de pouvoir débarquer du bateau depuis l'avant. Les grands bains de soleil sont rangés à l'heure actuelle. Vous avez le taux de pare-brise et le roof comme vous pouvez le constater. Donc avec ces deux grands toits ouvrants. En termes de hauteur, le 365 est légèrement un petit peu plus grand par rapport à son petit frère, le 305 coupé. Donc ce sont deux très belles unités. Et ensuite, la gamme vient s'agrandir avec le Nimbus 405 coupé qui, lui, ce dernier, se caractérise par un volume également plus grand et il dispose de trois cabines au lieu d'avoir deux cabines. Voilà, je vous remercie pour cette petite visite guidée avec Nimbus France. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur www.nimbus-france.fr. Merci à tous, très bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.